pépouze. Tu pépouzes comme ça, mon gars. Putain, mais ça, c'est un sachet, garde-le. Je déconne pas avec ça, gros. Ça, c'est la patate. Attends, mais Max, mon gars. Eh, c'est Mère Martin, t'as juré, mon gars. Salut la MIF, c'est Martin. Aujourd'hui, on va parler de Sex in the City, l'album de Lorenzo, qui est dispo partout. Et on s'est dit qu'on allait aller à Disneyland Paris. Je sais pas pourquoi, mais on y est et on va retrouver Lolo et Rico dans le parc. Venez. Bon, j'ai cherché Lolo et Rico partout. Là, c'est bon, ils m'ont donné rendez-vous là, juste ici. On va essayer de les trouver. Ah, ça va pas? Attends, ça va pas? Est-ce que tu permets, genre, on enroule juste un petit avant de commencer l'émission? Ouais, enfin, ouais, vas-y, on est à Disney quand même. T'inquiète, on peut se cacher dans là-bas et tout. Bon, on est à Disney pour se marrer, pour faire des attractions, évidemment. Mais on est aussi là pour parler de l'album Sex in the City qui est dispo partout. Est-ce qu'avec cet album, t'as voulu amener une sorte de... C'est ma comment elle est trop belle en photo. Elle est sympa, ouais. Ça te match sur la caméra, regarde ça. Et ça, ma daronne, elle va kiffer, poteau. Toi, tu fais quoi, toi? Vas-y, fais, on continue, bon. Moult, t'as gris par là encore. Moi, je connais, moi, ça prend une fois que je viens. Tu sais si on peut faire la queue quelque part pour fumer ça, gros? T'as pas la grossisse à la bœuf, mon gars, tu connais? Mais ça, j'ai la même attraction chez moi, gros. Essaye, tu penses qu'on peut boire ça, gros? C'est pas ça qu'il faut faire, mon gars. Tu peux boire ça, gros? Ça c'est potable, c'est pour la patate. Bon, comme Rico apparemment il a un peu peur des attractions à sensations fortes, on lui a pris un truc, normalement ça devrait aller, c'est... Ah, c'est le 3 gros. C'est juste là. Je sais pas si je vais y aller, gros. Elle a dit c'était la meilleure, pas aller, gros. C'est des démons, ça. Mais c'est trop bien. Non mais gros, moi je sais pas si je vais y aller. Mais casse-toi, mon gars, c'était le machine du diable. Plus jamais je monte là-dedans. Celle-là, c'était la pire, là, c'est moins bien, là, c'est les éléphants, gros. Non, mais c'est le diable, mon gars, tu sais pas, c'est le diable. Celle-là, après, j'enroule un et tu reviens. Un petit. Allons. Mais c'est le diable, ça, mon gars. Voilà, dinguerie, ça, c'était le meilleur bail. T'as loupé une dinguerie, gros. Ouais, bah tant mieux, mon gars. Tant mieux. T'étais un peu moins bien que les tasses. Moi, j'ai fumé là les battes, tu refais, mon gars. Je vais me poser un peu, gros. Waouh. Ça m'a claqué, gros. Ça m'a tête, le truc. L'avenir. Bah gros, je sais pas. En vrai, là, je fais un travail sur moi-même en ce moment parce que tous les trucs que je voulais faire quand j'étais petit, je les ai déjà fait là. Donc là, je fais un travail sur moi-même intensif pour retrouver des nouveaux objectifs. C'est là, j'aimerais bien inventer un nouveau sport. Ça, c'est j'essaye. En ce moment, je mixe des trucs et tout, mais j'attends. Et un autre truc que je kifferais vraiment faire, et je pense que je vais faire cette année, c'est je kifferais être dans le Guinness Book, les records. Je veux battre un record, gros. Je sais pas encore lequel, mais cette année, c'est un truc que je veux faire, c'est être dans le Guinness Book, gros. Du coup, comme on est avec Rico, on va parler quand même de Voyage Auditif. C'est un morceau que tu as produit sur l'album. Ouais. C'est un morceau qui est super intéressant et c'est aussi, je crois, un petit popcorn. Attends, juste on fait la. Juste on fait la. Un petit popcorn avant pour se chauffer un peu. Le fait, gros. Par contre, j'ai pas ma carte. T'as... Mais check, ils vont payer. Prends les sous de chèque. Martin, finis tes sous. T'inquiète. T'as des sous, Martin? Ouais, tu peux payer avec mon téléphone. C'est bon là? Ouais, okay, go. Est-ce que c'est possible maintenant de parler du morceau Voyage Auditif? C'est un morceau que t'as produit sur l'album. Ouais. Voilà, raconte-nous un peu l'histoire de ce morceau. Ouais, j'ai un truc avec un prof, tu vois. C'est vénère, j'étais foncé de ouf, tu vois. Comment on fait un réalisateur? Tu vois, boum, boum, les dingueries, tu vois. C'était trop lourd, tu vois. Là, je me rappelle de ouf aussi. Ouais, ouf. Je me rappelle bien. C'est à quoi en fait les trucs là? Ça, c'est des popcorn au sucre. Ah ouais, je préfère au poivre. Putain, nique ta mère, Rico, c'est pas toi qui paye, hein. C'est chèque. Eh, hey, Martin, y'a moyen que tu payes un petit truc avec le budget chèque, gros? Eh, hey, Rico, tu veux quoi, toi? C'est mon gars, c'est dinguerie. Tes gants, c'est la folie, ça, mon gars. Moi, je prends juste une petite sucette au sucre. Y'a moyen? Vas-y, c'est sûr, vas-y, go. Bah, merci, chèque, hein. Ça et tue, ça. Mec. Je sais pas comment je vais faire pour rouler avec ça, par contre. Toi, hein. Tu mets entre les deux watts, comme tu disais, gros. Ah ouais. Ça, tu peux t'en servir, gros. Ça, c'est un sachet pour 500G au moins, tu vois. T'as oublié de l'autre? Tu fais comme ça. Et ça va être béton, gros. C'est quoi ça? Moi, je mets le paper juste ici, gros. C'est vrai que tu parles beaucoup d'amour, c'est presque un Lorenzo romantique dans cet album. Ouais, il n'y a pas trop de son non plus qui parle de vrai amour, tu vois. Parce que, tu sais, souvent, il y a des feelings, tu vois. Moi, quand je suis avec une meuf, c'est pas que le physique, tu vois. Moi, je peux pas, si la meuf, elle est vla bonnetto, mais elle est pas des barres, c'est clair, ça marche pas, gros.
C'est là, mais il y a un truc qui se passe quand même. C'est pas tout le temps une histoire d'amour, c'est plus un peu de l'échange, tu vois. Dans l'album, je le dis. Je dis, il y a de la tension sexuelle, mais pas de coup de foudre. Le coup de foudre n'existe pas, gros. Mais c'est pas vrai. Que genre, t'arrives et tu vois une meuf, la pente, t'es amoureux. Tu la connais pas, tu vois. C'est une tension sexuelle au début. C'est pas un coup de foudre, ça existe pas. Ça. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce qu'un jour ton cœur sera pris, Lolo? Ouais, en vrai, il a déjà été pris, genre une ou deux fois, tu vois. Mais c'est juste. T'sais, j'ai toujours envie d'aller pousser le bouchon un petit peu trop loin et de voir d'autres trucs, tu vois. C'est compliqué, tu sais, tu pourras avoir le meilleur truc du monde entre tes mains. Dans ta tête, tu te dis toujours, tu peux avoir mieux. Tu vois ce que je veux dire? Alors que des fois, en fait, t'as déjà le bête de trucs qu'il faut, tu vois. Il faut pas aller plus loin. C'est normalement, tu vois, là on arrive bientôt à la maison de la fantômerie, gros. Ah, c'est marqué là, là? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Donc là, normalement, on devrait être juste là, gros. Waouh! Dinguerie! Ça, c'est de la maison de la fantômerie, gros! Riez les couilles, ça, mon gars! Hein, Martin? Tu veux être nous, gros? On a des interviews encore à faire. Bon, mais vite, on avait dit l'interview. Viens, on va vite faire à la fantômerie! Nous, on avait déjà été chasser les fantômes! C'était une dinguerie, mon gars! Gros, c'était une dinguerie! Les couilles de Satan, là! C'est, dans la maison, en fait, ça m'était comme des rituels sataniques, c'est une sale dinguerie! Mon gars. Des dinguerie, gros, je suis arrivé tout en haut, le dernier étage, gros! Sans blague, six chèvres, six chèvres, dead, tu vois, comme ça posé, avec une meuf au milieu comme un tueur. Martin, il n'en pouvait plus! Martin, il était pas dans son slip, gros! Il était pas dans son grinder, Martin! Allez, yes, on va faire la. Il était vraiment pas bien! Consigne de sécurité important. Ouais, non, je te disais en vrai. Ouais, je voulais pousser un petit peu plus loin comme ça, mais en fait, moi je me laisse souvent guider par la plante. Tu vois ce que je veux dire? Je reste dans mon mode, tu me passes une instrumentale et moi je te sors ce qu'il y a à sortir dessus, tu vois. T'as fait un morceau qui s'appelle Nique la Bac, ça veut dire que tu vas aborder des sujets de société, des sujets politiques? Ouais, sans plus. C'est aussi un message personnel, tu vois ce que je veux dire? Moi je me faisais toujours contrôler à droite à gauche, gros. C'est genre, je partais avec Crico en train, gros, on prenait 4 fois le train, je me faisais contrôler 6 fois, tu vois, il y avait une couille, tu vois. Il y avait un truc qui allait pas. Et du coup, je me suis dit, mais en vrai, faut que je parle aussi de trucs réels, tu vois. Même si je me suis dit, putain, les gens ils vont dire, ouais, c'est presque du rap conforme. On parlait de quoi déjà? La vie est déjà assez chiante pour pas se faire chier en musique. Ouais, c'est ça que je disais, parce que des fois tu vas me dire, ouais, Lolo, pourquoi tu fais pas du rap conscient et tout? La flemme, tout simplement. T'es, y'en a, ils se lèvent le matin, ils vont au travail, ils ont un boulot de merde, ils kiffent pas, ils rentrent chez eux, gros. Y'a les infos, y'a les forêts qui brûlent, y'a la guerre, je sais pas où, gros. C'est la merde. Si après t'écoutes ta musique et qu'il y a un vieux relou qui est là, ouais, la société, je sais pas quoi, capitaine. Eh, oh, stop. C'est un moment, faut kiffer, tu vois ce que je veux dire? Pour ça, moi, je glisse ma douce voix dans les oreillettes de France, tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils se laissent aller. Ils se laissent aller au plaisir. J'aimerais que la France soit épicurienne. Tu vois ce que je veux dire? Profiter de la vie, des petits plaisirs. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Tant qu'on est posé dans le bateau, on va faire une vraie question de journaliste. Et pourquoi est-ce que l'album s'appelle Sex in the City? C'est assez marrant parce que tard, tu me parlais du business américain. Ben, je me suis un petit peu mis de cela en fait. Tous les Français, ils savent, moi, c'est Lorenzo, l'album Lorenzo, nanana. Et là, je me suis dit, il y a un truc à jouer. C'est vu que je m'appelle Lorenzo, ça fait un peu hispanique. Les gens sur Spotify, ils vont faire. C'est un espagnol, on va l'écouter, tu vois. Et du coup, j'ai dit, je vais mettre un nom anglais. Comme ça, les caries, ils vont s'en parler. Ils vont dire, ah, mais c'est un américain, le mec et tout. Et là, bam, là, toute la planète du globe, ils écoutent Lolo. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un peu une douille. Tu vois? Genre, j'ai mis ma douille sur Spotify, tu te fais avoir, tu te fais pas avoir, mais toujours dans le plaisir. Et voilà pour cette bête de journée à Disneyland Paris avec Lolo. On a parlé de son projet Sex in the City, un projet qui est déjà dispo partout. N'hésitez pas à l'écouter, streamez-le. Et puis, bah, évidemment, on va laisser le mot de la fin à Lolo. Lolo, quand tu veux. Au plaisir, man. Merci les refs, c'était cool en tout cas. Et on se tape vite, hein, de toute façon. C'est merde les refs. T'as moyen en secret de nous mettre un petit véhicule motorisé payant? On n'a pas de. Ah ouais, on a rien à ramener avec. On a pas de cash, pas de sous. Tu mets ça sous check. Les frères, on a payé les cadeaux. Les non, mais un petit Uber. Un petit taxi, tranquillement. En Rico, il te le remettra plus tard. Pour rentrer doucement, tu vois. Puisque je suis célèbre. Allez, roulez, je laisse. La touche du bout. Célèbre. On se le dira jamais. J'ai pas les couilles. J'avoue, le temps passe, je suis tanné. Entre nous, pas de tabou.